Ouais, shalom, shalom, shalom. Excellente fête de Pâques à tout le monde entier, au monde entier et à tous mes enfants, à tous mes enfants du monde entier. J'en profite pour dire aussi un coucou à l'église Pentecôte et authentique, Compassion des âmes depuis Divo. Voilà, shalom à la Côte d'Ivoire, shalom au monde entier. Je suis à Paris. Je suis à Paris et je suis là pour une tournée européenne. Une tournée européenne qui a pour thème bien investir. Parce que l'Afrique a besoin de vous. Vous savez, l'Afrique est le continent d'avenir. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que l'Afrique est le continent d'avenir. Pourquoi? Parce que nous sommes, Dieu nous a bénis, nous les Africains. Nous sommes premiers en tout. Nous avons nos sols qui sont riches. Nous avons le bauxite, nous avons l'uranium, nous avons le fer, nous avons la manganèse, nous avons, n'est-ce pas, l'or, nous avons les diamants, nous avons tout, nous avons même le pétrole, nous avons du cacao, nous avons les veillards, nous avons tout. Et malheureusement, nous sommes en retard. Et nos frères de la diaspora, Dieu nous a fait la grâce à ces personnes de venir se faire former, mais quoi bloqués par la sorcellerie. Vous savez, les blancs, les occidentaux, on connaît ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une époque où la sorcellerie minait sur le sol. Ils ont pratiqué la chasse aux sorcières du 15 jusqu'au 17e siècle. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Et le monde entier le sait que c'est le temps de l'Afrique. À commencer par la délivrance de nous les Africains. Et c'est pour cela que chaque époque, à chaque moment, Dieu donne. C'est pour ça que la Bible, quand vous lisez dans Corinthiens, 1 Corinthiens à partir du chapitre 12, le verset 4 jusqu'au verset 6, la Bible déclare qu'il y a diversité de dons et diversité de ministères. Ministère qui est un service, voilà, parce que l'Afrique souffre et Dieu m'a donné une onction et un ministère pour la délivrance totale de l'Afrique et de nous les Africains. Ce qui est, n'est-ce pas, le dévoilement et la destruction des œuvres de la sorcellerie. Je suis en tournée en Afrique, ici en Europe, pour vous délivrer, pour que vous puissiez venir investir en Afrique. Et nous avons un concert, nous démarrons par un concert ce soir, qui est le concert de la Pâque, parce que Pâque veut dire symbole de délivrance. Tu es un artiste africain, congolais, ivoirien. Je vous ai tous invités à cette soirée. Et la rencontre aura lieu aujourd'hui à Romainville. À Romainville, 3 rue de la Pointe, 93-230, Romainville. Vous venez pour que Dieu puisse vous délivrer. Vous délivrer. J'invite tous les Africains, tous les artistes africains à cette grande soirée de délivrance ce soir. C'est un concert. Nous démarrons par ce concert. Et le ticket d'entrée, c'est un CD. Oui, parce que je suis aussi chanteur, le prophète Crasso. Je suis à mon 6e album, gloire à Dieu, parce que j'ai fait meilleure vente gospel au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est déjà lancé au niveau de la Côte d'Ivoire, ça fait maintenant 2 mois. Et maintenant, au niveau de la diaspora. Pourquoi? Parce que c'est important ce CD-là. Il y a une force spirituelle dedans. Ceux qui l'ont écouté déjà dans les voitures, dans les salons, ont eu un impact, délivrance, voilà, tout ça. Et c'est à 30 euros, je précise bien 30 euros. C'est pas 30 euros pour vous faire délivrer, mais non, 30 euros, le coûte, le CD, et vous avez l'accès au conseil parce que c'est un conseil live. Et en même temps, c'est pour vous, une manière de contribuer, nous aider à faire avancer le royaume de Dieu. Voilà, nous aider à faire avancer le royaume de Dieu. Oui, donc la puissance de Dieu serait à l'œuvre ce soir, cette nuit, à partir de 22h jusqu'au petit matin. C'est à Romainville, 3 rue de la Pointe, 93-230 Romainville. Oui, c'est pour dire, c'est quelque chose de vraiment de puissant. Vraiment quelque chose de puissant. Voilà, quelque chose de puissant où tu auras ta délivrance. Et c'est à partir de cette salle, on va commencer à partir de cette nuit. On aura l'occasion de vous parler de tous mes programmes. Je n'ai rage terrible, enfin, ce que la sorcellerie a fait dans ta vie. La maladie que les sorciers t'ont donnée, la pauvreté, le non-emboutissement, viens pour entendre quelque chose. Et je suis convaincu que Dieu m'utilisera pour te délivrer. C'est ce soir, le 27, aujourd'hui, dimanche 27, à Romainville. Shalom, soyez bénis.